There's nothing but a slow glowing dream that you fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears through a pride in a world. Eh ben, t'es en contraçage? Ouais, mais en contrat. T'y arrives pas ou quoi? Essaye de pas t'endormir dessus, hein? Ouais. Oh là, il faut qu'on aille voir. Y'a Joe, il est en train de dormir là. Oh Joe. Oh la tête de con. Je mise. Je mise. Une couche. Brûlant. C'était sûr. On relance. Bonjour à toutes et à tous, rapport journalier du 18 avril 2021, toujours depuis notre antenne relais d'urgence. Trois mois après le conflit nucléaire déclenché par Donald Trump en janvier, nous sommes en mesure d'évaluer le nombre de survivants à 40% de la population française. Cependant, suite à la démence soudaine qui touche notre président depuis quelques jours, les membres du comité scientifique ont découvert une molécule sans doute engendrée par la combinaison du Covid et de la radioactivité de l'air. Nous avons pu joindre le professeur Rick qui nous explique de sa webcam où en sont les recherches. Chères Françaises et Français, l'heure est grave. Après moult recherches et des heures de travail acharné, nous avons remarqué avec mes collègues scientifiques que l'air est toxique à cause de la toxine Nova 6 qui entraîne des mutations sur les personnes exposées. Nous, scientifiques, vous demandons absolument de rester chez vous pendant que nous cherchons une molécule capable de combattre cette toxine. Nous vous demandons d'être patients et responsables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu débarques ou quoi? Allez, dépêche-toi là, ça fait une semaine qu'on prépare l'expédition, il faut y aller là. Quelle expédition? Mais l'expédition PQ là. Allez, dépêche-toi, suis-nous là. Tiens, mets ça. Voilà, on y va.
c'est comme ça que j'allais le faire. T'as pas le faire, toi. Ce gaz à travers lequel l'air contaminé devrait passer avant d'arriver au poumon. Il s'agit de l'argon. Les gars, on a la solution. L'argon. Mais oui. Z, j'ai trouvé la solution.